Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau, unissons nos voix et celles qui l'acclament nuit et jour. Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau, unissons nos voix et celles qui l'acclament. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, faisons luire sur nous sa face. Sur la terre connaîtra tes voies, parmi toutes les nations ton salut. Unissons nos voix et celles qui l'acclament nuit et jour. Que les nations jubilent et chantent, car tu juges le monde avec justice. Tu juges les peuples en droiture, sur la terre tu gouvernes les nations. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. La terre a donné son produit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et qu'il soit craint de tous les lointains de la terre. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit et jour. Venez, adorons, prosternons-nous devant l'agneau. Unissons nos voix, celles qui l'acclament nuit. Immense de tous les saints, d'incessantes louanges, je te glorifie. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges adresse l'hymne trois fois sainte. Ô Père, depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité. Très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui avait vu le servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter. Saint, 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 Seigneur, trois fois saint, prends pitié et sauve-nous. Psaume 48. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'Esprit de vérité me rendra témoignage.
riches et pauvres ensemble. Ma bouche énonce la sagesse et les murmures de mon cœur l'intelligence. Je trouverai un quelque proverbe, je résous sur la lyre mon énigme. Pourquoi craindre au jour de malheur le malice tonal et me cerne? Se prévalent du surcroît de leur richesse. Mais l'homme ne peut acheter son rachat, ni payer à Dieu sa rançon. Il écoute le rachat de son âme, son effet pour toujours est sublime. Jamais il ne verrait la fosse, or il verra mourir les sages. Arrive aussi le fou et l'insensé qui laisseront à d'autres leur fortune. Leurs tombeaux sont à jamais leur maison et leur demeure d'argent d'âge. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. Ainsi vont-ils leur confiance en eux-mêmes, et derrière eux à leur voix on accourt. Trop beau que l'on part qu'aux enfers, et la mort les mène perdre. Au matin s'évanouit leur image, les enfers voilà leur résidence. Mais Dieu rachètera mon âme des griffes des enfers et me prendra. Quand s'accroît la gloire de sa maison, à sa mort il n'en peut rien emporter, avec lui ne descend pas sa gloire. Son âme quand sa vie bénissait, et on te loue d'avoir pris soin de toi. Ira rejoindre la lignée de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. Écoutez ceci, tout le peuple, prêtez l'oreille, habitants de l'univers. L'homme dans son luxe ne comprend pas, il ressemble au bétail qu'on abat. En toi, ô Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins car vous êtes avec moi depuis le Psaume 144. Je t'exalte, ô roi mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. Dieu grand et louable, autre hautement, à sa grandeur point de mesure. Un âge à l'autre montrera tes œuvres et fera connaître tes prouesses. Ton renom, splendeur de gloire, je me répète le récit de tes merveilles. On dira ta puissance de terreur et moi je raconterai ta grandeur. Faisons mémoire de ton immense bonté, chacun acclamera ta justice. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est bonté envers tous, ses tendresses vont à toutes ses œuvres.
te rende grâce, que tes amis bénissent ton nom. Qu'ils lisent la gloire de ton règne, qu'ils parlent au Dieu de ta prouesse. Pour annoncer aux hommes tes promesses, la splendeur de gloire de ton règne. Ton règne règne pour les siècles, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vérité en ses paroles, amour en toutes ses œuvres. Il retient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous sont les yeux sur toi, ils espèrent, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Toi, tu ouvres la main, tu rassasies tout vivant à plaisir. Dieu, justice en toutes ses voies, amour en toutes ses œuvres. Proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Le plaisir de ses fidèles, il le fait, il entend leurs cris et les sauve. Il garde tous ceux qu'il aime, mais il détruira tous les impies. Je veux dire la louange du Seigneur, que toute chair bénisse son saint nom. Je veux dire la louange du Seigneur, maintenant, toujours et à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles, amen. Cantique d'Isaïe 54, page 297. Ô Jérusalem, abattu par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terre. S'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Telle sera le lot de mes fils, et telle aussi leur justice. Psaume 99. Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amédée de Lausanne, au XIIe siècle, toujours interpellant en notre faveur. Au ciel, avec les plus grands honneurs, à la façon d'une souveraine, la Vierge Marie est invitée par le Père suprême à siéger dans le royaume de la lumière éternelle, sur le trône de la gloire la plus éminente, première après le Fils qu'elle a engendré. La toute bienheureuse Vierge, remarquable par son mérite sans égal, se tient donc en présence du Créateur, interpellant toujours en notre faveur par sa prière toute puissante. Instruite en effet par cette lumière pour qui tout est à découvert, Marie voit tous nos périls. Douce et clémente souveraine, elle a pitié de nous d'un cœur tout maternel. Les animaux sacrés de la vision d'Ézéchiel voyaient eux aussi tous les maux du genre humain, mais bien moins que la mère de Dieu. Tout en les scrutant, eux ne peuvent les écarter. Marie, au contraire, sait avoir pitié des affligés et des malheureux. Elle sait les secourir par la grâce de sa divine tendresse, d'une manière d'autant plus radicale qu'elle contemple plus excellemment le cœur du roi infiniment grand. Elle est tout à la joie de remporter de nouveaux triomphes pour la libération des condamnés et pour l'accroissement du peuple de Dieu. Ceux qui sont tombés se relèvent, ils reviennent convertis. Et la mère les convertit avec son fils, elle les réconcilie avec Dieu, les arrachant à la mort définitivement. Ainsi, le désir de la bienheureuse Marie s'accomplit chaque jour quand les enchaînés sortent de leur prison pour respirer, leur pardon accordé, au grand air de la liberté éternelle. Ainsi rassemble-t-elle les fils dispersés, ainsi rappelle-t-elle les fils égarés, ainsi libère-t-elle les fils que l'on pousse vers la mort.
l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache l'oppresseur aux mains de tous nos ennemis. Amour qui seul est avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Servons aujourd'hui à notre Père Abraham de nous donner qu'à franchir de la crainte et délivrer les mains de l'oppresseur. Nous le servirons en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ce chemin. Tu annonceras à son peuple le salut en rémission de ses péchés. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort, et guide pour nos pas au chemin de la paix. Rends gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié
Père qui nous enseigne par ton Fils, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce.